Alors, le point tunisien que nous allons voir aujourd'hui est formé de petits carrés. Donc, je vous montre. Donc, c'est pour faire le point que je suis en train de réaliser ici. Donc, on fait un petit carré avec un trou et chaque fois, on repart de carré en carré. Donc, je vous explique. Pour former ce point, il faut partir d'un nombre impair, puisqu'on fait la maille de bordure, un jeté et l'autre bordure, ce qui nous fait un départ de 3 mailles chaînettes, qui est un nombre impair. Si je rajoute chaque fois un petit carré, je rajoute chaque fois 2, 2, 2, mais ça restera un nombre impair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc chaque fois que je vais rajouter 2, je reste sur un nombre impair puisqu'au départ il était impair. Donc je vais monter 11 mailles comme ici pour bien vous expliquer. Donc la première je la compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors le premier rang on fait comme ici. On fait la maille qui est ici déjà sur le crochet, un jeté, on pique, un jeté, on pique. Et chaque fois qu'on fait un jeté, on passe au-dessus d'une maille de la chaînette. Donc un jeté, on passe la maille. Donc on a bien la première boucle qui est dans la chaînette. Donc on ne va pas piquer ici, on va piquer là. Mais on fait le jeté puisque le jeté va remplacer cette maille chaînette. On pique, un jeté, on saute la maille chaînette, on pique dans la suivante. Un jeté, on saute la maille chaînette, on pique dans la suivante. Un jeté, on saute la maille chaînette, on pique dans la suivante. On saute la maille chaînette, on pique dans la suivante. Quel que soit le nombre, vous fonctionnez comme ça sur tout votre rang. Alors, le rang retour. Toujours dans le rang retour, vous allez faire un jeté pour la première boucle et puis un jeté pour les deux boucles suivantes. Et c'est chaque fois de 2 en 2 jusqu'à la fin du rang. 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Le rang suivant, on a toujours la boucle de départ, mais ici, puisqu'on va faire en quinconce, on va faire une maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille et la maille de bordure. Donc ici, on va piquer dans le trou qui est formé par le jeté du rang précédent. Et le jeté forme une espèce de petit V inversé. Comme ça, on pique dedans et on tire la boucle. Un jeté, on passe la maille avec le petit bâton et on pique entre les deux petites jambes du V. Un jeté, on pique entre les deux petites jambes du V. Un jeté, on pique. Un jeté, on a le dernier trou qu'on retrouve ici. Et il n'y a pas de jeté alors, puisqu'on fait les deux directement. Donc là et directement la suivante. Alors, on prend les deux petits brins du rang précédent et on forme la boucle. Comme ça, quand vous allez voir, on va faire 2-3 rangs, vous allez voir que ça sera une belle finition comme ça. Donc on fait le jeté, on tire sur la première boucle, un jeté et de 2 en 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Donc ces deux rangs sont à répéter. Donc maintenant on va refaire le rang 1, qui est en fait le troisième rang. Donc on fait comme le rang 1, on a la boucle sur le crochet, un jeté, une maille. Un jeté, une maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille. Donc ici, en fait, on fait le jeté pour passer au-dessus de la maille du rang précédent. Donc le jeté. Et maintenant, on pique dans le petit V inversé du jeté du rang précédent. Un jeté, on saute le petit bâton, on pique dans l'espèce de petit V inversé, comme ça. Voilà, un jeté, on pique. Un jeté, on pique dans le trou, un jeté, comme ici.
puisqu'on saute au-dessus du petit bâton qui se trouve ici. Et on prend en fait le dernier bâton, mais on prend les deux fils. Voyez? En fait, quand vous allez faire une bordure ou coudre, vous allez avoir un beau repère et une belle finition ici parce que vous pourrez piquer vraiment dans les petits trous comme ça. Donc on revient, une boucle et puis de deux en deux. Alors, très important aussi, toujours contrôler que vous n'avez rien perdu comme maille ou augmenté comme maille au cours de votre travail. Parce qu'il arrive parfois qu'on oublie de jeter ou qu'on saute un trou. Donc, faites bien attention. Donc ici, on va faire le quatrième rang qui reprend en fait tous les rangs pairs. Donc, le quatrième rang, c'est une maille qui est toujours la première qui est sur le crochet. Une maille, puisqu'on a la maille sautée, enfin le jeté en dessous. On fait le jeté, la maille, le jeté, la maille, le jeté, la maille, le jeté, la maille et la maille de bordure. Donc on le voit bien. On avait ici donc le petit trou. Donc on voit bien le petit V ici qui se forme. On pique dans le V. On fait un jeté. On saute le petit bâton. On pique dans le petit V. Un jeté. On pique dans le petit V. Un jeté. On pique dans le petit V. Un jeté, on pique dans le dernier petit V et on prend les deux petits brins de bordure. Voilà. Alors pour le contrôle, ben, quand on a tout sur le crochet, on compte 2, 4, 6, 8, 10, 11. Et j'avais bien 11 mailles chaînettes de départ. Voilà. Et donc on avance bien droit des deux côtés. Je vais encore faire un rang ou deux, donc une boucle et puis de deux en deux. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Alors le cinquième rang comme le rang 1. Donc le cinquième rang. Donc tous les rangs impairs, vous faites la boucle de bordure, votre jeté comme ceci. Après, ça devient automatique. Donc le jeté. Puisqu'on a un brin ici, on pique dans le petit V inversé, un jeté, on pique, un jeté, on pique, un jeté, on pique, un jeté. Et donc ici, on saute la maille, donc on vient piquer dans les deux derniers petits brins. Et alors, on a 11 boucles, 2, 4, 6, 8, 10, 11. On revient. Voilà ce que donne ce point-là. Voilà. À quoi ressemble le travail. Ça va? Donc, tous les rangs impairs, on commence par un jeté. Et tous les rangs pairs, on fait une deuxième maille avant le travail. Voilà. Donc, une autre petite astuce. J'ai utilisé de la laine 3,5 et j'ai utilisé pour travailler au crochet un numéro 5. Alors, je vais vous montrer mon travail en cours. Donc, j'utilise un crochet numéro 6. Et donc, pas que je perde mes mailles. Et donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai déjà perdu une maille. Donc je dois la récupérer. Voilà. Et donc ça c'est une laine conseillée en numéro 4, crochet numéro 4. Et donc j'ai pris deux dessus. Pourquoi? Parce que ça permet au travail d'être souple, aussi de ne pas boucler. Comme ça, vous savez que le point tunisien a tendance à se rouler sur lui-même. Regardez, j'ai fait un petit, il est bien plat. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre un et demi, voire deux, comme ici, deux chiffres au-dessus du crochet conseillé, puisque ça, c'est un crochet tunisien. Il est à mi-chemin entre une aiguille à tricoter et un crochet. Et qu'aussi, surtout ne jamais travailler trop serré parce que sinon vous n'arriverez plus à tirer vos boucles. Et en plus, ça empêche la laine, le travail de tourner. Voilà. Alors, n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook Créachat.
de partager vos créations. Et bien sûr, si vous connaissez le nom de ce point que j'ignore complètement, s'il n'y a pas longtemps que je fais du crochet tunisien, de me dire si vous connaissez le nom de ce point, comme ça je pourrai le connaître moi aussi. Voilà, à très bientôt dans la prochaine vidéo et merci de m'avoir suivi. Au revoir.